Hello tout le monde les amis, c'est Guylaine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unturned. Aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le voir déjà, la base s'est pas mal agrandie, on a une tour, on a plein de trucs, c'est juste incroyable, vous allez voir. Les amis, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, car on a des ennemis sur le serveur. Et oui les amis, aujourd'hui on va devoir défoncer de la maman. Et oui, donc du coup, depuis quelques temps, des petits voyous, on peut dire ça, sur le serveur, essayent de nous casser nos maisons, enfin nos magnifiques petites bases. Et du coup, avec certaines personnes qui sont ici, qui sont certains de mes abonnés, que vous pouvez voir là, qui sont très très gentils, on a décidé de du coup, écoutez, ils nous ont essayé de nous raid, bon on va les raid, et on va essayer, écoutez, de casser leur base. De toute façon, c'est le jeu, ils ont totalement le droit de vouloir nous rush, mais en tout cas, nous, on veut faire la même. Donc du coup, les amis, regardez, ils ont sorti carrément le tank, on va prendre le tank pour utiliser les missiles pour exploser les murs. En tout cas voilà, je suis très bien armé aussi, j'ai une M4, une Maple Strike et aussi un Night Raider avec des Ranger Drums et tout. En tout cas je suis bien armé, j'ai aussi des roues explosives, j'ai un détonateur bien sûr, j'ai incroyablement, et bien sûr j'ai quoi, la blueberry qui est toujours très intéressante et toujours obligatoire quand on part raid une petite base. En tout cas les amis, comme vous pouvez le voir, la base a plutôt agrandi. En tout cas voilà, c'est en cours de création, on va dire ça, parce que c'est pas fini. Et donc du coup écoutez, on va faire tout ça avec des bois. Il a pas aménagé sa chambre en plus, je suis triste. Donc les amis, regardez, la base est juste énorme maintenant, parce que du coup on a agrandi les coffres, on a énormément de coffres. Vous pouvez voir que là c'est en cours de construction, donc à mon avis, le temps que vous allez voir la vidéo, on aura peut-être changé tout ça. Mais en tout cas les amis, aujourd'hui on va prendre la PC, on va prendre le tank, on va clairement essayer de les défoncer. Donc apparemment, la base est située au niveau de cette petite île qui est ici à côté de attendez. On va trouver le nom, Novorossiysk, voilà. Donc c'est la petite île qui se trouve juste ici. En tout cas, voilà, c'est une petite île. Mais en tout cas, voilà, les amis, on va essayer de régler tout ça avec mes abonnés qui sont super sympas, regardez-les. Il y a Mr. Cookie et AG, je leur fais un petit coucou d'ailleurs parce que je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Mais en tout cas, les amis, vous pouvez voir qu'on va faire du vraiment lourd. On va faire du vraiment lourd. Mais en tout cas, voilà, les amis, on prépare tout, on se retrouve après, vous allez voir, ça va être du très très lourd. Bon, du coup, les amis, regardez, on est armé, on est présent, regardez le tank et la PC. Est-ce que, du coup, vous êtes prêts à rush cette petite base? Dites-le moi, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Moi, je suis ready. Allez go, bah vas-y, prenez votre tank, moi je prends la PC et en avant pour ce rush de base. Bon du coup les amis, direction la fameuse base, on y va, on va y arriver quand il fera peut-être nuit, donc ça sera nickel. En tout cas regardez les amis, on est parfait avec notre magnifique APC et notre tank. Les amis, on va s'éclater durant ce raid. En tout cas les amis, ça va super bien se passer. On va voir, écoutez, peut-être qu'ils seront connectés, On verra bien, mais en tout cas, les amis, on a de la dynamite, on a un tank, écoutez, on va s'amuser. Et c'est le saut de la mort qui arrive, bonjour, ah ! Allez, c'est le saut, voilà. Toujours, voilà, notez le saut, il était un peu moins beau, hein, je trouve, vous pouvez le dire, il était un peu moins beau, je vous l'accorde. Bon, bah, écoutez, on avance, il commence à faire nuit, normalement, ça devrait bien se passer, ils m'attendent à Novorossiysk, donc écoutez, je vais essayer de pas prendre d'arbre. Ça serait plutôt sympa, on y va en direction du coup de la base. En pleine nuit, ça va être juste nickel, on va pouvoir utiliser les night vision, ça va être super bien. Bon, normalement, ils doivent être à Novorossiysk, ils sont là, je suis là. Bon, c'est bon, je vous suis, allez-y, je vous suis. Parce que du coup, je me suis un peu paumé en même temps. Je me suis un peu paumé en les suivant. Mais en tout cas, voilà, allez. Allez go, en plus ça fait un bruit pas possible, leur tank c'est incroyable. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé un bateau. Je crois que j'ai trouvé un bateau. C'est la première fois de ma vie que j'en vois un sur Unturned. Et il y a un bateau, what the fuck? Super stylé. Un petit bateau. J'ai juste envie d'aller voir s'il est loqué ou pas. Oh mais... Mec c'est trop bien!
Y'a des bateaux sur Unturn. What the fuck. What the fuck, c'est trop stylé, c'est clairement trop stylé. Regardez-moi ce magnifique véhicule. Incroyablement... incroyable, on peut le lire, voilà. Avec 4 roues motorisées. Bon, les amis, on va s'arrêter là, c'est n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Bon, les amis, on arrive sur le lieu du crime, si vous m'entendez bien. Regardez ça, donc du coup, en face de nous, il y a une base, voilà, qui est juste ici, normalement. Normalement, il n'y a personne pour l'instant. On va essayer, donc du coup, de profiter des deux bases. On va voir comment ça va se passer, je les attends. Et écoutez les amis, du coup, je crois ce qu'on va faire, c'est qu'on va rusher là. Elle est carrément ouverte, on va voir comment ça va se passer. Et, écoutez, je vais voir avec eux, on va voir comment on va faire et comment on va s'y prendre. Ah, au moins, ils sont quand même polis, hein. Attends, ce qui m'étonne... Ouais, attends. Non, y a rien sur la base, il faut vraiment qu'on aille rush la deuxième et du coup, ton tank va pas passer à mon avis. Non, vu que... Bah écoutez, on va y aller. Ah oui, la PC, bah venez, je vais déloc la PC et on va y aller. Vous allez voir, ça va être trop bien. Et rentrez, vous pouvez rentrer dedans. Oui, bon, du coup, bah on rentre dans l'eau. Allez, go. On va dans l'eau avec la PC. J'ai jamais testé, donc du coup, ça marche bien. Attends, on va juste prendre par l'autre côté, ça va être un peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir les amis, j'ai aussi quelque chose qui s'appelle les lunettes de vision nocturne. Donc qui sont, je sais pas si elles sont très utiles dans le jeu, mais en tout cas elles sont très très sympathiques. Regardez, du coup on va rentrer dans l'eau. Allez go, on rentre dans l'eau. Ouh, allez, nickel, on passe trop bien. Bon, allez, on descend là. Mais écoutez, normalement les gens sont pas très très là. Ils sont même pas là du tout, je crois. Donc écoutez, on va y aller. Je vais y aller carrément à la... Ah, mais c'est pas comme ça. Bon, du coup, j'ai pris des roses explosifs pour rien. Ok, il y a des storages, mais oh, peut-être ils ont bougé d'endroit. À mon avis, ils ont pu bouger d'endroit entre temps. Parce qu'il y a vraiment rien et l'autre jour, ils avaient pas mal de stuff. Donc peut-être ils ont eu le temps de bouger d'endroit. On va voir ça. On va voir parce que je sais que l'autre jour ils nous ont pas mal embarrassés parce que vous savez, un des drops est tombé sur eux. Voilà, c'est ça, quelqu'un est venu en fait, comme je vous le dis en fait, il y avait une caisse et le truc c'est que les gars avaient assassiné tout le monde parce que c'était leur base à eux. Mais bon, en tout cas, ce qu'on va faire à mon avis c'est qu'on va essayer de rush une autre base, ou sinon on va voir comment ça va se passer. On va voir un peu s'il y a autre chose. Bon, du coup, allez, 3, 2, 1, go. Vas-y, oui, l'explosion. Et il n'y a rien du tout. Mais en attendant, on a quand même explosé la truc, quoi. C'est pas dégueu. Allons visiter l'autre base, on va y aller. Il faut juste qu'on retrouve la PC et on y go. Bon, du coup, direction l'autre base, on va aller voir s'il y a de quoi, écoutez, se mettre quelque chose sous la dent, parce que là, on n'a pas grand-chose, vous savez que le serveur n'est pas ouvert depuis très très longtemps, donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas tout le temps des personnes qui sont connectées, ou peut-être qu'il y a des bases qui sont cachées. Et en tout cas, à ma connaissance, il n'y avait que cette base-là qui était un peu plus costaud, mais on va voir du coup ce qu'il y a, peut-être quelque chose, s'il y a quelque chose chez d'autres gens ou quoi. En tout cas ceux qui ne sont pas alliés avec nous. On va voir tout ça et écoutez, on va essayer de casser un peu de la base. Parce que là, regardez, c'est pas que, mais on a fait déjà deux bases et il n'y avait pas grand chose dedans quoi. Les amis, regardez ce que je viens de trouver. Il y a un feu d'allumé. Et qui dit feu dit qu'il y a sûrement des gens pas très loin. Et regardez, il y a une base un peu à côté. On va aller faire un tour, on va voir. Je les ai un peu tracés, ils sont un peu lents. Oh, il y a quelqu'un. Ah non, c'est un zombie, ça va, j'ai eu peur, mais il y a quelqu'un qui a commencé à construire une base apparemment. On va voir tout ça. Est-ce qu'ils sont pas très loin? Je ne les vois pas pour l'instant. Bon les amis, on va y aller carrément. On va voir ce qu'il y a dans cette base. On va aller voir. On est combien? Je veux juste voir combien on est sur le serveur. On est actuellement 6. Et il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde.
dans cette zone de la map d'habitude. Mais en attendant, regardez, on a une base là, quoi. On a une base importante. Une petite base, voilà, je sais pas où il y a une porte, peut-être. Ça m'étonnerait. Ok, ouais, carrément, il y a mes... Je veux une base, les amis. Je veux une base, il n'y a rien dans la base. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, moi j'en ai marre. Hein. J'ai envie de tuer des gens. À un moment, écoutez, les gens qui sont méchants, ils sont pas là. Moi j'ai envie de tuer de la personnalité quand même sur le serveur. Bon, du coup, les amis, regardez ce qu'on fera dans le prochain épisode. Regardez cette magnifique station pétrolière qui est là. Écoutez, les amis, on va la faire pour le prochain épisode. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore une fois. J'avais fait que Silo 22, mais là, les amis, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça va être super cool. J'ai vraiment hâte de le faire dans le prochain épisode. Bon, les amis, du coup, regardez, on a pris leur avion. Et on va en profiter, what the fuck, et j'ai pas envie de mourir, hein. On va en profiter pour en faire un petit, on va faire un petit tour de la map, regardez comme c'est beau, regardez vue d'en haut, à quoi ressemble la map, regardez notre petite base qui est super sympa, c'est super cool, regardez, on a une très très belle vue, mais en tout cas, cet avion va nous permettre plus tard d'aller du coup dans la fameuse zone pétrolière que je vous ai montré juste avant. Les amis, je sais qu'il n'y a pas eu énormément de choses dans cet épisode. Malheureusement, on n'a pas pu faire de rush. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, les amis, ne vous inquiétez pas. Dans le prochain épisode, on a plein de choses de prévues sur le serveur. Ne vous inquiétez pas, en tout cas voilà les amis, si la vidéo vous aura plu, en tout cas si la vidéo vous a plu, excusez-moi, n'oubliez pas de like et de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, n'oubliez pas d'aller voir mon Twitter et n'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo où j'explique comment rejoindre mon serveur Unturned. En tout cas voilà, merci à tous les amis, pendant qu'on fait des roulés-boulés avec AJ, en tout cas voilà, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, c'était Gillian, allez bye tout le monde.